nous prennent-ils pour les fous? George Bush et toute son armée, ils sont prêts à faire couler le sang pour que le pétrole soit récupéré. Tout le monde l'a bien compris, mais ce n'est pas nous qui pourrons le faire changer. L'Amérique vote à nouveau pour s'être illuminée. Il faut croire que c'est de famille de vouloir diriger la patrie, comme un jeu sans se soucier du pays qu'on envahit. Retirer un dictateur pour le remplacer par un oppresseur, tombé dans l'ombre et le désert sur toutes les télés du monde. Ils fabriquent de nouvelles armes, ils rassemblent de nouveaux guerriers, soi-disant pour protéger les communautés. Mais tous les jours un nouveau drame, il y a encore du sang qui a coulé. Les militaires, les civils, tout le monde tombe sous les coups de l'armée. Ils fabriquent de nouvelles armes, ils rassemblent de nouveaux guerriers, soi-disant pour protéger les communautés. Mais tous les jours de nouvelles armes, succombe, gentil soldat. Obéis à tes supérieurs, mais tu ne les comprends même pas. Et le pire dans tout cela, c'est qu'en première ligne se retrouvent les personnes les plus éloignées du remède in America. Ils fabriquent de nouvelles armes, ils rassemblent de nouveaux guerriers, soi-disant pour protéger les communautés. Mais tous les jours, un nouveau drame, et encore du sang qui a coulé. Les militaires, les civils, tout le monde tombe sous les coups de l'armée. Ils fabriquent de nouvelles armes, ils rassemblent de nouveaux guerriers, soi-disant pour protéger les communautés. Mais tous les jours, de nouvelles armes, du sang qui a coulé, les militaires, les civils, tout le monde tombe. Sur l'Amérique, il ne faut pas cracher, pas tout le monde dans le même panier, sinon les scores aux élections seraient 100%.